bonsoir, c'est Rayton, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va tester Five Nights at Freddy en Lego. Alors me demandez pas pourquoi j'ai trouvé ce jeu, c'était sur Gamejolt. En gros les gars, c'est vraiment comme FNAF 1, sauf que là tout est en Lego et du coup on va découvrir ça. Vous savez que je suis un méga fan de Lego, moi j'ai toujours été team Lego. Si vous êtes team Playmobil, je ne vous juge pas les gars, c'est pas grave de faire des erreurs. Mais l'important les gars, c'est que dans mon cœur, il y a que des Lego et c'est incroyable. D'ailleurs si vous voulez m'envoyer des Lego à Webedia, faites-le s'il vous plaît. Donc les gars, on commence la vidéo maintenant, n'oublie pas ton petit pouce bleu, ton abonnement et on commence maintenant. Ok les gars, c'est parti pour Lego Five Nights at Freddy les gars, nouvelle partie. Ouais voilà, c'est exactement comme FNAF 1. En vrai c'est trop bizarre de se dire c'est vraiment la même chose que FNAF 1. Juste là ça va être en full Lego. Oh mais mec, attends, c'est trop stylé. Attends, vous voyez pas tout, attends je vous montre. Regardez, attends, on va se mettre comme ça. Attends, on se met comme ça, au-dessus de moi. Il y a genre mon personnage et ses points de vie et tout, il y a même de l'argent à gagner. Trop stylé. Bon par contre je vois pas tout le reste. Ah ouais non, en vrai tout est fait en Lego. En vrai tu sais, on dirait que c'est mal fait, mais en vrai c'est super beau hein. Mais du coup ils sont tous faits en Lego. Oh ils sont vraiment tout faits en Lego, wesh, je suis mort. C'est incroyable. Moi j'adore m'emboîter comme un Lego. Enfin, j'adore surtout déboîter les gens. C'est l'industrie, les amis. Ils ont vraiment tout fait. Même les pizzas, c'est des pizzas Lego. En vrai, je sais pas si ça a pris du temps à être fait. Parce que les gars, genre, quand même, là, ils ont redéveloppé tout le jeu. Je trouve ça méga stylé. Hein. Maintenant, est-ce que je vais déboîter ou me faire emboîter? Ça, c'est la question. Et est-ce que le jeu est plus dur que le 1? Voilà, c'est trop stylé. Par contre, j'ai déjà plus beaucoup de batterie. Ok, il y a Foxy. Oh mec, j'ai hâte de voir Foxy en Lego. Hein. Je sais pas combien on va tenir. Imaginez, on arrive à terminer tout le jeu aujourd'hui. Ce serait incroyable. Est-ce qu'il y a des easter eggs? Oh, il y a même les easter eggs, frère. On a gagné 10 pièces. Oh mec, il nous faut d'autres easter eggs. Mec, c'est sûr, il y a d'autres endroits où cliquer. Là, on peut pas cliquer. Là aussi. En vrai, je sais pas si j'ai plus peur quand ils sont en Lego ou quand ils sont en normal. Putain, je cherche, mec. Là, je suis juste à la recherche de la moula. La kista, la grosse moula, gars. En vrai, ça sert à rien en plus d'avoir de l'argent dans ce jeu. Je vois pas qu'est-ce que tu veux acheter. Tu veux acheter une âme d'enfant? C'est un peu glauque. Qui veut acheter l'âme d'un enfant? Jamais j'aurais cru avoir peur sur un jeu fait en Lego, de briques et de broc. En fait, y a pas d'autres trucs pour gagner de la thune, hein. Crois les gars, on s'est fait arnaquer, hein. J'ai envie de toucher à tout, je suis un gamin. Pour l'instant, y a personne qui part d'en haut, donc là jusque là c'est bien. Donc pour ceux qui connaissent pas, là c'est Bonnie, le lapin c'est Bonnie, le canard c'est Chica et le gros nounours c'est Freddy. En gros, y a Foxy qui est une sorte de loup renard, mais par contre il est pas là, là. En général, il est pas là la première nuit, il arrive après. C'est la première nuit, il est avec sa meuf et tout, et après il revient. C'est faux, hein. Il a pas de meuf. Par contre, moi j'en ai une. Ok, là ça bouge, ok. Y a Bonnie qui est là, mec, mais c'est effrayant. Et jamais tu te dis, c'est comme là actuellement. Est-ce que vous saviez que Arthur les Minimoys vont sortir un film d'horreur? Jamais tu t'en serais douté. Et bah tu te serais jamais douté que Lego ils faisaient des bails horreur, tu vois. Ok, pour l'instant tout va bien. Tout va bien dans le sopaling. Y'a Chica le petit canard. Chica était un petit canard. Il nageait dans le bonheur et dans la mare. Oula, 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 attends. Joël va débarquer maintenant. Ok, il est super proche. Il est super proche. Ok, y a que Bonnie pour l'instant qui a bougé. Parce que vous savez, Bonnie elle s'est bonifiée avec le temps. Ok, y a Bonnie qui est juste là. Faut en fait, le problème c'est que Bonnie il est juste assez loin pour pas se faire voir par, vous savez, la lumière. En gros, là si elle va le flasher avec la lumière, c'est bon. Et les deux autres ils restent. Ils restent au bas de 7, ils restent au squat. Mais va-t'en frère avec ta tête de cachalot là. Fais comme les autres, retourne chez toi. Prends tes affaires, rentre chez toi. Tant qu'il y a Freddy, c'est mon préféré. Freddy c'est un peu le boss. D'ailleurs dis-moi votre animatronics préféré dans les commentaires. Il est encore là? Mais mec il va rester toute sa vie. Mais attends, en plus ça ressemble à quoi un screamer d'un Lego? C'est juste un bout de plastique qui vient sur ta tête. Mais oui les Lego c'est du plastique. Mais mec, il bouge pas. En vrai, le jeu est carrément. Oh, genre, y a Foxy qui apparaît avec ses dents en or. En vrai, Foxy, c'est un peu vraiment une star, tu vois. C'est un peu comme un rappeur américain. Toujours des dents en or, juste derrière la scène. Foxy au top. Foxy, moi, c'est mon animatronics préféré. Hein. Genre, Foxy ou Springtrap. Pour toi, une meuf. Toi, des mouchoirs ou si t'as pas de meuf. Mais fais quelque chose, bouge. Et si là, tous les autres Lego, ils s'emboîtent, est-ce qu'ils viennent me déboîter? De toute façon, on a toujours su que les Lego, ça faisait peur. Parce que est-ce que vous avez déjà marché sur un Lego? Si vous n'avez pas marché sur un Lego, vos pieds vont très bien. Mais essayez une fois et vous comprendrez la douleur de tout le monde. Genre, si vous êtes un enfant, vous avez déjà marché sur un Lego, vous savez que ça fait mal. Tu dois être un parent, t'as déjà marché sur un Lego, tu sais que ça fait mal. Et tu regrettes d'avoir acheté le Lego après. Tu vois, et là c'est pareil. Ok, Chica s'est barré. Et lui il a bougé. Ok, Bonnie a bougé et Chica, on ne sait pas où est Chica. Et Foxy commence à bouger aussi. Ok, Chica est dans la salle des fêtes, même s'il n'y a jamais de fête. Faut c'est une salle d'anniversaire, mais personne ne veut venir au mien. Et Foxy il bouge pas. Par contre, on en parle de l'effort de coloriage sur l'affiche Five Nights at Freddy qui est devant nous. Genre, regardez comment ils ont bien dessiné Chica. Ok, faut suivre Foxy. En gros, si vous savez pas Foxy, faut juste regarder sa caméra là. Et en fait, c'est un peu comme un 1-2-3 soleil. Si on le regarde, il vient pas. Mais si on le regarde pas, il nous attaque et il nous démonte nos mères. Parce que lui, contrairement aux autres, il peut courir. Les autres, on les voit jamais courir, lui, il peut. Wouah! Chica, regarde comme ça. Chica, t'as un vilain petit canard. Range ton foin et va faire coin-coin. Ok, il est 5h du matin, il nous reste 12%. Franchement, on s'en sort. Si à la première nuit, c'est aussi dur, les gars, je pense que ça va pas le faire pour les autres. Hein. En vrai, là, tu vois, je pense qu'on va gagner parce qu'on est des gros BG, tu sais. Mais ça est dur. Les autres parties, elles vont pas être aussi simples. En plus, on a 3 vies. On est comme les chats. Les chats, ils en ont 9. Les Raytonia, ils ont 3 vies. Ce POV fait meurtre. Ok, les gars! Première nuit sur FNAF Lego Coco. Ah, mais c'est pas l'idée. En plus, on a gagné de l'argent. Comment ça, power bonus 0? Frère, on mérite
relique de la power bonus. Ah, et du coup, on a 500 pièces, frère. Ok, c'est intéressant. Vas-y, on va continuer, on va essayer de faire la nuit 2. Eh les gars, je suis fatigué en plus aujourd'hui, c'est à mort. Eh les gars, il y a des jours où même Rayton il est fatigué. Attends, le téléphone qui sonne. Oh, vas-y, tais-toi. J'ai raconté chaud au téléphone dans FNAF, j'ai pas envie d'écouter. Quoi? Ok, Bonnie est déjà, par contre, Bonnie est tout petit. En vrai, j'ai pas trop peur. Là, par contre, quand ils sont comme ça en mode tout petit, les gars, j'ai pas peur. T'as que comme moi, Rayton, le grand Rayton, je fais plus de 100 mm. Bien sûr, les gars, que j'ai pas peur. Attends, je fais 1m90, ça fait combien de millimètres? Ça fait 19, non? Je crois, je sais plus. Ok, Bonnie est en train de se taper une déterre et Foxy est déjà en train de se barrer de son show. Donc, les gars, je pense que ça va être chaud pour nous. Bouge pas, Little Foxy, et tout ira bien. Foxy, il veut me mettre des trucs dans les fesses et j'ai un peu peur de ça. Bon, il est passé où, Bonnie? On a un peu, genre, totalement perdu Bonnie, les gars, par contre. Et je pense pas que Bonnie a couru jusqu'à chez moi si rapidement. Donc, je sais absolument pas où est Bonnie. Bonnie a disparu, disparu. Oh, j'ai gagné de la pièce! Ok, à chaque partie, je peux avoir 10 bonus avec ça. Ok. Foxy, il est en mode. On ne t'a pas vu, Little Foxy. Ok, Chica commence à se barrer. Je vais lui mettre une chicate à Chica. Chica, chica, chiki, chiki. Là, il y a rien. Enfin, je ne sais absolument pas où est Bonnie. Hein. Ah, moi, que Bonnie, ça soit ça. Moi, j'ai cru que c'était un animatronix mort. Mais t'es que Bonnie est juste à côté de moi, en fait. Ok, Bonnie est là. Ah, c'est passé? Attends, attends, est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est passé? J'aime pas quand ça fait peur. Ouais, Chica, je veux ces petites fesses de Chica. Ok, il y a Bonnie qui est là. En plus, les Lego, ils font bien peur parce que est-ce que t'as déjà vu un Lego cligner des yeux? Un Lego, il te mange à la bagarre de regard. Parce qu'il cligne jamais des yeux, c'est un Lego. Donc, moi, le plastique, je le mastique. Okay, y a Foxy. Les caméras, elles marchent plus. En vrai, vraiment, cette nuit, elle est dure, les gars. Okay, là, il va pas bouger. Bonnie, en général, ne bouge pas pendant au moins 50 secondes. C'est un peu comme Mediflower. Bonnie, il allait jusqu'en bas de la map. Faut faire une petite pause maintenant. Eh, les gars, j'ai trop peur de me prendre un screamer. Tu sais, se prendre un screamer venant d'un animatronique, c'est chaud. Là, il est 2h du matin et on a déjà 50% de batterie. Donc, ça veut dire, les gars, qu'il y a très peu de chances qu'on win cette game. Hein. Genre, on a perdu trop de batterie. La batterie, elle se perd trop vite, les gars. C'est comme les amis. Plus le temps passe, plus on en perd. Ok, Chica est à la salle des fêtes, mais personne n'est venu à son anniversaire parce que tu pues l'oignon. Foxy, il est pas là. Oula, 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 oula. J'ai cru que j'allais faire peur à quelqu'un en disant oula 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 oula. Fais une oula 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 oula. Ok, Foxy est juste là avec son petit regard malicieux et sournois et ses petites dents en or. Ouais, ils sont tous au même endroit. Il y a Chica et Bonnie. Peut-être qu'ils vont se faire un câlin et ne pas essayer de me tuer. Ou peut-être qu'ils vont se faire un câlin et après essayer de venir me tuer. Mais au moins il y aura un câlin, donc faites l'amour, pas la guerre. Enfin, me faites pas l'amour à moi par contre. J'aime pas trop les animatroniques. Eh, Chica est la roche. Hein. Chica a fait tout le tour et du coup là actuellement il reste que Chica en liste pour essayer de nous tuer rapidement là. Il est 3h du matin, 36%. Là on gère bien. Par contre, les dessins qui sont devant nous, c'est tellement des dessins que j'aurais pu faire quand j'étais petit. Oh, Bonnie avec ses petits yeux malicieux là, il fait peur. Mais ça reste un Lego. Les Lego, c'est gentil. De toute façon, quand c'est quelque chose qui ne veut pas bouffer ton âme, mais forcément quelque chose de gentil. Putain, mais je suis là, disons. Moi, je veux que tous les jeux aient un mode Lego. Genre, imaginez God of War en Lego. Imaginez un jeu Lego en Lego. Ah non, c'est normal ça. Quel est. Attends, vous savez quoi dans les commentaires? Quel est le jeu que vous voudriez le plus voir en Lego? Et on n'a pas de nouvelles de Chica. Et les gars, on a failli se faire buter. Hein. Chica, elle nous a mis une chiquette. Ah ok, Chica est parti. Foxy est en train d'arriver. On dirait que je parle des avions. Foxy va atterrir à 10h. Chica à 2h05. Mais le vol va avoir du retard parce que Foxy, c'est un petit con. Sorry, out of order, mais tu m'étonnes que le truc il est en service. C'est normal d'être hors service quand Foxy, la seule chose à quoi il pense, c'est me bouffer mon gros gueule. Mais attends, mais tu venais d'où toi? What the fuck? Attends, je suis dead. D'où il était là lui? Attends, je m'en revanche. D'où il était là? D'où il y avait Bonnie? Vraiment, j'ai eu trop peur en plus. Je m'y attendais trop pas, j'étais en train de gérer moi. T'es en train d'être ça. Ah, mais attendez, vu qu'on a perdu, on a perdu un point de vie. Donc en fait, les points de vie jouent vraiment. Mais ça veut dire, est-ce que si j'ai plus de points de vie, on recommence le jeu depuis le début? En vrai, c'est grave possible. Hein. Et les gars, ce jeu il est plus dur que ce qu'on pensait. Hein. Sous-côté jamais un Lego, les gars. Ne jamais sous-côter un Lego, sinon c'est lui qui vous duplo. En vrai, moi j'aimerais trop faire des constructions en Lego géantes. J'ai trop envie de faire ce concept là. Genre, par exemple, on fait la plus grande tour possible en Lego. Genre, on fait plus au coup et Bédia. Faut que j'arrête de trop regarder les caméras. Même si je suis une star, je sais. Faut que j'arrête de trop regarder les caméras parce que sinon après on use trop de batterie. Mais en tout cas, le jeu il est vraiment mon délire. Si vous regardez, alors franchement, est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir cliqué sur la vidéo juste pour voir Bonnie en Lego? Franchement, j'aimerais trop qu'il sorte vraiment un set de Lego. Fallait être Freddy et on fait une vidéo là où on joue avec. Et putain, heureusement qu'il y a le ventilateur parce que là, les gars, est-ce que chez vous c'est la clim? Parce que là, actuellement, c'est la clim partout en France. Enfin, c'est pas la clim, c'est le réchauffement plutôt. À ce qui paraît, on a jamais eu des températures aussi chaudes en France. Là, tout de suite, là, tu sors de Webedia, tu fonds comme neige au soleil. Oh putain, on a eu trop de chance, mais il fait vraiment peur, Foxy. Hein. Quand il arrive, en plus, vu que c'est un Lego, il fait tout, 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 tout. 63%, en vrai, 63%, 2h du matin, c'est mieux que la dernière fois. Hein. Ah, mais attendez, en plus, c'est marqué sur mon tel, regardez. Les élèves de primaire et de collège ne seront pas obligés d'aller à l'école demain dans 12 départements à cause de la canicule. J'avais raison. La canicule nous tuera, les amis. Arrêtez de jeter vos déchets par terre parce que sinon, après le réchauffement climatique, après, on crame. Et j'ai pas envie de transpirer parce qu'après, je dois aller voir ma meuf. Ok, alors du coup, là, y a Chica qui est là, totalement posée, dans la mare. Elle se marre, cette Chica. Et là, il y a Foxy avec son gros zibet. En vrai, les Lego, c'est quand même trop bien. Genre, moi, j'étais vraiment team Lego quand j'étais petit. Et là, je trouve vraiment, ils l'ont parfaitement refait. Limite, ça pourrait être un vrai jeu. Hein. Avouez, ça pourrait trop être un jeu sur téléphone. Mais tu vois, moi, j'ai vraiment moins peur des Lego que de Thomas le train. Est-ce que Whisker, tu peux mettre une photo de Thomas le train maintenant? Arrêtez de me dire, oui, c'est un train pour les enfants. Frère, moi, mon enfant, je laisse jamais montrer dans ce train. C'est le train de la muerte. T'as un problème, toi? Dose. Tu veux un kebab, des frites, du ketchup, au niveau de l'eau? Chica est là. Bonnie, on a aucune idée où elle est. 4h du matin, les gars. Là, il est 4h maintenant. C'est-à-dire que là, en 2h, on a gagné. Freddy n'a toujours pas bougé. Après, Freddy, en même temps, il a une attelle parce qu'il se fait mal dans les
escalier. C'est pour ça, il bougeait un peu lentement. T'as raté même le logo des toilettes, ils ont mis des Lego, je suis mort. Oh, mec, on est encerclé. Là, il y a Foxy qui est là. Les gars, on est encerclé. C'est la fin des cacahuètes, c'est la fin des haricots. Ok, il y a Foxy qui débarque. Les deux, ils sont au même endroit au même moment. Donc là, il y a que Chica qui peut essayer de nous tuer. Madame, est-ce que vous pensez que Bonnie et Foxy, quand ils sont mis, ils ont fait ah, salut, tu vas me buter aussi? Ah, bah moi aussi. Vas-y, je repasse après pour voir si tu l'as bien égorgé. J'ai d'horreur, ça fait peur. Rayton 2020. Tais-toi, toi, le canard. Retourne à la mare. Tu m'as pas fait marrer. Mais là, je pense qu'on va gagner. Il est 4h du matin et il y a que Chica qui peut nous poser problème là. Après, on a plus que 14%. J'avoue qu'on a été gourmand niveau pourcent, les gars. Tellement pas écologique. Ok, Chica, retourne tout en haut. On a aucune idée où est Foxy. Et Bonnie, je sais pas. Bonnie s'est perdu dans sa tête. Ok, Bonnie est dans le local. Oublie pas de prendre le balai parce que je vais te balayer, Bonnie. Balaye ou je te balaye. Je suis peut-être un peu trop investi sur ce jeu. Ok, les gars, il nous reste 4%. Pour ça, il est 5h du mat. Est-ce que ça passe? Est-ce que j'en pense? Les gars, ça va être chaud. 3%. Ok, Foxy est juste là. 2%. Fais pas genre. Il nous reste 0%. Ah, je sais pas du tout comment j'ai fait. J'ai gagné 100 pièces, tout va bien. Les choses sont 100. Oh, c'était dur. Ah, ils vont bientôt mettre des nights customisés, mec, c'est trop stylé. C'est incroyable. Et franchement, le jeu Lego Five Nights at Freddy est incroyable. Mets un méga pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Oublie pas aussi de t'abonner et d'activer la cloche. Les gars, on est bientôt 200 000 et je sais qu'on peut le faire. Alors abonne-toi, allez, mon gars. Ou ma meuf, je sais pas. Et c'est pas, venir me suivre sur Instagram et venir me voir en live sur Twitch. Tous les soirs, je suis en live sur Twitch. Alors viens sur mon Insta ou viens me voir en live sur Twitch. On se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. C'était Rayton, c'était meilleur. Et ciao.